Tu sais, mon père n'a jamais compris comment le peuple restait sans broncher devant tant d'injustices. Il a été excommunié et pendu sur une place publique pour avoir parlé de cette religion qui a le goût du sang et la couleur de l'or. Il disait que l'état d'esclavage n'a pas été voulu par Dieu, mais imposé par les seigneurs et par l'Église. Tu entends cette musique? C'est François, mon frère, qui l'a créée, le soir où notre père a été pendu. Il s'est mis à frapper sur son tambour avec rage et fureur. J'ai travaillé 5 ans chez le Seigneur pour payer la taxe sur la mort de mon père. Au château, un clerc m'a appris à lire, à écrire, à comprendre les choses de la nature, les poèmes, la musique. Et j'ai compris que cette connaissance, c'est aussi un pouvoir et une force. Comme cette chanson de Roland que tu joues, et qui endormait les jeunes seigneurs le soir, qui revenaient de la chasse, fatigués. C'est la chanson de la mort. Je l'ai chantée partout. En Allemagne, d'où je viens, en Angleterre, en Italie, partout. Mais je ne crois pas, je vais continuer. Ce costume de Roland m'épaisse comme le serpent qu'humilie ce pèlerinage. Et les étoffes qu'on lui a rajoutées m'étouffent de plus en plus. J'aimerais chanter votre chanson. Savoir parler de cette naissance, par exemple. Comment une femme qui n'a jamais vu naître un enfant sauver la mère, l'enfant de la mort. Parce que je suis contre la résignation. Quand cette femme a compris qu'elle était seule et qu'elle devait se battre, son enfant est venu au monde. Je ne sais pas où va nous mener cette route. Je ne sais pas non plus combien de siècles il faudra pour arriver jusqu'au bout. Chaque échec sera une victoire. Dieu miséricorde. Dieu a permis que nos chemins se croisent. Il a voulu que vous nous portiez secours. Mais ce qui lui importe davantage, c'est le salut de nos âmes. Joignez-vous à nous dans notre marche rédemptrice vers Saint-Jacques de Compostelle. Dans son infinie miséricorde, Dieu effacera nos fautes et votre folle révolte. Saint-Jacques vous attend et je le connais. Venez, vous verrez, suivez-nous. Mensonge ! C'est la route de Saint-Jacques qui ne mène nulle part. Nous allons vers la vie. Nous avons quitté la terre où le Seigneur nous tenait en esclavage et disposait de nous à plaisir. Vous allez vers l'enfer. Le choix que nous laissent l'Église et les seigneurs, nous le connaissons bien. Nous l'avons vécu dans nos chairs. C'est reprendre les chaînes et mourir en martyr ou marcher vers le nord avant d'être pendu. Vos ennemis, ce n'est pas nous. Ce sont les nouveaux riches, les princes de l'Église, les seigneurs
Ces nantis qui vivent de notre sang. Monseigneur a vendu mes deux enfants contre des sacs de blé. La richesse attire la richesse. La misère attire la misère. L'ignorance renforce l'ignorance. Et la violence attire la violence.